Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on se remet doucement de notre week-end. On est bien rentrés. C'était juste trop génial. On a bien pu profiter des petits. Mathia et Maë en ont pris. On parle un petit peu organisation. En fait, vous savez, quand j'étais enceinte d'Alba, j'ai pris la poussette, la gazelle de chez Sibex, parce que je suis très souvent seule avec les enfants et que je me suis dit, bon, ok, si tu sors avec les 6, mieux prendre une poussette où tu peux adapter un deuxième siège. Comme ça, si un des jumeaux se fait la malle ou quoi, par question de sécurité, tu le mets dans la poussette, tu as le maxi-cosy et ça roule. Donc, j'avais pris cette poussette-là. Et en fait, comme il y a eu toute cette pandémie et tout ça, et qu'on n'est pas sorti, enfin, que j'ai pas eu l'occasion d'aller dans les magasins ou autres seul avec les enfants, en fait, j'avais plus vraiment cette utilité d'avoir une aussi grande poussette. Et c'est pour ça que j'ai été OK d'avoir la poussette joie. Pour aller à Disney, du coup, on a pris la grande poussette. Et j'avais prévu... Chut, Alba, elle dort. On a pris avec la grande poussette et je me suis dit, si Mathia ou Maë devait être amenée à être fatiguée, voilà, au moins je peux les poser. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est quand même des enfants du Covid et il y a plein de choses en fait qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, que mes grands faisaient de façon hyper naturelle. C'est des enfants qui ne savent pas marcher beaucoup, c'est des enfants qui n'ont même pas l'habitude d'être au restaurant, tout simplement, parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas fait pendant très longtemps, et du coup ils étaient vachement remuants et tout ça. En soi, tout s'est très très bien passé, hein, mais du coup voilà, j'étais très contente d'avoir cette poussette. Alba était beaucoup en porte, très contente d'avoir la grande poussette avec nous. Pour ceux qui veulent la référence, c'est la gazelle de chez Sibex et le porte-bébé. Alors celui-ci, je vous le conseille les yeux fermés. Il s'adapte depuis la naissance et c'est le hoodie carrière de Love Radius. Voilà tout. J'ai Poupette qui dort là. Et voilà, je vais aller commencer la journée par habiller Mathia et Maë, parce qu'il y a l'anniversaire de la cousine aujourd'hui. Du monde dans le parc, franchement, c'était tout à fait raisonnable. Je pense qu'il y a une jauge. Et franchement, on avait en moyenne 15 minutes d'attente sur les attractions. Et pour toutes les personnes qui m'ont posé la question, j'ai allaité Alba pendant 2 jours à Disneyland Paris. Et tout s'est très, 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 très bien passé. Un petit point sur les extérieurs, ça y est, la semelle pour le mur de soutènement est coulée partout. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et lundi on commence à monter les murs. Ça y est, franchement ça va être trop chouette quand ce sera fini. J'ai beaucoup trop hâte.